Marie, c'est ici que le monsieur du Carbap nous a donné rendez-vous. C'est bizarre, cette parcelle est totalement négligée. Et regarde, il y a tout plein de bananiers par qui sont chutés. Ah, vous voilà, bonjour. C'est justement de ça que je vais vous parler. Si vous voyez les bananiers pliés comme celui-là, c'est soit un problème d'aubanage ou de tutérage. Si vous voyez aussi d'autres déracinés comme ceci, ce soit des problèmes de nématodes ou de charançons. Et je peux vous montrer le diagnostic rapide, comment détecter si c'est le charançon ou bien le nématode. Mais moi particulièrement, je vous parle du charançon. D'accord. Je vais vous montrer donc comment diagnostiquer. Lorsque vous avez un bananier déraciné comme celui-là, très rapidement, si vous faites une coupe transversale comme ceci, alors vous voyez, quand nous avons fini de faire la coupe transversale, on montre que le charançon est passé par ici et voilà la poudre, déjà même voilà une larve. Cette poudre-là prouve que le charançon est passé par là et a fait ce tuyau qu'on appelle généralement la galerie. C'est un tunnel qui va jusqu'à l'intérieur du bananier. Ça, c'est le diagnostic rapide. Parce que le paysan en plantation, il ne saura pas pourquoi son bananier est tombé. Ça, c'est sur un bananier déjà déraciné. Oui. Et lorsqu'il est encore au début, on fait comment pour remarquer la présence des charançons? Alors là, on va faire un système de décorticage. Je peux vous montrer donc un système de décorticage. Alors, dans la bananeraie, quand nous sommes dans notre parcelle de bananier, le pied qui est encore debout peut être décortiqué pour voir si effectivement on a les charançons dans la parcelle. Et le décortiquage consiste à enlever des lamelles de peau sur le bulbe. Sur environ les trois quarts, voilà, ça apparaît déjà. Ça veut dire que dans cette parcelle, on a déjà la présence des charançons. Lorsque vous avez fait ceci, vous savez déjà que la parcelle a des charançons. D'accord, mais à quoi ressemble ce charançon? Voilà, c'est une question qui pourra être à laquelle les chercheurs spécialistes pourront vous donner une suite. Les sacs qui commettent ces dégâts, le charançon noir du bananier Cosmopolitan sordidus, c'est un insecte de taille comprise entre 1,5 et 1,6 cm. Mmh. Il est tout noir et il pond dans la souche du bananier. Okay. Et au bout de 3 à 10 jours, l'œuf va éclore pour donner naissance à une larve. C'est la larve, en s'alimentant, qui va creuser des galeries, qui sont des dégâts causés par le charançon. Mm-hmm. Et la larve se transforme en nymphe. Vous voyez ici, mm-hmm. tout blanc. Tu vois, Marie? Vous voyez ici, tout blanc. Et la nymphe, au bout de 12 jours, la nymphe va se transformer en adulte que vous voyez. Mais c'est la larve qui cause les dégâts. Et en causant les dégâts, je vous ai dit, ce sont des trous qu'on appelle des galeries qui sont laissées dans la souche. Et ces galeries,
empêchant le bananier d'être ancré normalement dans le sol. Ces galeries créent aussi ce qu'on appelle la destruction des racines et des parties qui émettent les racines. Donc vous voyez, le bananier ne peut pas non seulement être ancré dans le sol, mais aussi ne peut pas se nourrir convenablement. Et ces charançons-là, à quel moment de la journée est-ce qu'ils se déplacent? Dans la journée, il n'est pas actif. C'est la nuit que le charançon est très actif. Ah, donc tous ces dégâts-là, on peut dire que tous ces dégâts, il les commet dans la nuit. Surtout au niveau de la larve. Voilà. Okay. Alors, monsieur Abi, oui? Que faire pour éviter les charançons si Marie est là et moi souhaitons lancer une nouvelle plantation de bananier plantain? Pour une nouvelle plantation de plantain, il faut éviter de choisir votre terrain sur de vieilles parcelles qui ont déjà des plantains à l'intérieur. Okay. Ça, c'est un. Et en deux, il faut aussi éviter que votre parcelle soit à côté d'une parcelle, d'une vieille parcelle de bananier. D'accord. Par exemple, comme ici, vous verrez que lorsque ces bananiers seront détruits, les charançons pourront venir dans la nouvelle migrer pour venir dans la nouvelle parcelle. Okay. Voilà, et tous ces aspects-là, il faut les éviter. Vous faites comment lorsque vous souhaitez planter directement vos rejetons de bananier plantain? Si ce sont des rejets que vous voulez utiliser pour votre plantation, oui, il faut le nettoyer. Et pour cela, on fait ce qu'on appelle le parage. D'accord. Le parage qui consiste à nettoyer les racines qui sont sur le bulbe. Mais si, au cours du parage, si vous remarquez des taches noires, oui, qui sont là, comme, mm-hmm, présentées comme ça, ouais, ce sont des galeries de charançons. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'enlève ces galeries, je diminue le bulbe de mon rejet. Oui. Vous voyez, directement j'ai fini avec le bulbe de mon rejet. Ce rejet n'est pas bon pour la plantation. Voilà, nous allons prendre un deuxième rejet. J'espère pouvoir présenter les normes pour être planté. D'accord. Comme je l'ai dit, on enlève les racines. Et vous voyez que le bulbe est tout blanc, ah, tout à fait blanc. Super bon. Il n'y a pas de taches noires, pas de galeries, pas de nécrose. Les tout propres. C'est super, voilà. Et ce rejet est propre pour la plantation. Voilà. Directement, vous allez exposer votre rejet, déposer votre rejet sur un espace bien couvert. Okay. Pourquoi l'espace doit être couvert? C'est pour ne pas que les nématodes rentrent dans votre rejet paré. Okay. Et il faut parer les rejets juste à côté de la plantation laquelle vous avez pris vos rejets. Okay. Pour ne pas que vous disséminiez les nématodes et les charançons. D'accord. Voilà. Et ces rejets ne doivent pas être stockés pendant longtemps. Parce que lorsque vous les stockez, l'odeur, après le parage, l'odeur contenue dans les rejets va attirer les charançons qui peuvent venir infester votre. Oh, c'est super. Donc, il faut les planter automatiquement. Ok. Alors, si nous sommes dans une parcelle qui est déjà infestée, mm-hmm, par des charançons, mm-hmm, comment faire pour lutter contre eux? Il existe plusieurs méthodes de lutte. Mais la méthode de lutte la plus pratique, la plus facile et la moins coûteuse, c'est faire des pièges à pseudotrons. Je vais vous montrer comment on fait les pièges à pseudotrons. Ok, d'accord. Pour faire le piège à pseudotrons, il faut choisir un bananier déjà récolté, comme celui-là. Et nous allons prendre un morceau de pseudotron de dimension 40 cm. Je le coupe. Et je le coupe. On enlève ce morceau de pseudotron. On fend le pseudotron longitudinalement en appuyant. Et on a les deux morceaux du piège. Avant de poser le morceau de pseudotron, il faut bien aplanir la surface sur laquelle nous allons mettre le pseudotron autour du bananier. Parce que le charançon, ayant peur et fuyant les rayons du soleil, il faut faire de telle sorte qu'aucun rayon de soleil puisse entrer sous le pseudotron. Voilà. Ok.
vous avez ici votre piège Absolutron posé. Il est préférable de choisir des bananiers qui ont fleuri parce que le charançon est attiré par les substances sécrétées par les bananiers qui ont fleuri. Et comme ça, vous pouvez faire 30 à 40 pièges par hectare. Vous pouvez même augmenter le nombre de pièges pour capturer beaucoup de charançons. Au bout de 9 jours, je reviens, j'ouvre mes pièges pour capturer, si mes pièges ont capturé les charançons, et je constate que les charançons aussi sont bien arrêtés, et je les ramasse, les charançons, je mets dans la boîte où j'avais déjà mis un morceau de bulbe pour éviter que ça ne s'enfuit. Je ramasse. C'est les deux morceaux qui font un piège. Je continue à ramasser mes charançons. Pour détruire les charançons récoltés, je dois les jeter au feu. Alors Sylvain, oui. Pourquoi certains producteurs continuent d'utiliser les insecticides alors que les pièges Absolutron fonctionnent normalement? Utiliser un insecticide, c'est beaucoup plus rapide que fabriquer et disposer des pièges à pseudotron. D'accord. Mais les insecticides, c'est très coûteux. Les insecticides, c'est très dangereux pour la santé. Mmh. Et les insecticides, c'est très dangereux pour l'environnement. Donc nous déconseillons d'utiliser les insecticides. D'accord. Il faut savoir aujourd'hui que la recherche, elle travaille à d'autres alternatives aux insecticides. Mmh. Par exemple, on développe des barrières physiques qui permettrait d'éviter que le charançon n'atteigne le bulbe et ponde ses œufs. Okay. On travaille aussi sur des cultures associées qui hébergent des prédateurs qui pourraient consommer des adultes de charançon ou des larves ou des œufs. Et on travaille également sur des variétés pour voir si certaines variétés seraient plus ou moins attractives aux charançons et si certaines variétés seraient plus tolérantes aux dégâts de charançon. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et pour éviter les insecticides chimiques, nous sommes en train de développer une méthode biologique contre le charançon à base d'un champignon qui est parasite du charançon, le métarhizium. Nous avons des charançons qui ont été tués par le champignon métarhizium. Et vous voyez le duvet blanc du champignon qui sort sur le charançon après sa mort. Bonjour, docteur V. Bonjour, monsieur Donaldson. La semaine dernière, vous nous avez donné assez de détails sur les charançons. Alors, comment ils arrivent dans la parcelle? La contamination la plus usuelle, c'est l'utilisation des rejets. Monsieur Donaldson, sachez que même le rejet paré n'enlève pas à 100% les risques de contamination. D'accord. Parce qu'il y a les œufs du charançon qui sont tellement petits que vous pouvez les transporter pour aller sur votre parcelle. Et pour éviter tout cela, on utilise des vivoplans et des vitroplans qui assurent à 100% le fait qu'on ne transporte pas les charançons vers la nouvelle parcelle. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. D'accord, Dr. Abi. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci, M. Donaldson. D'accord. Bonjour, madame Major. Bonjour. Bonjour. Vous allez où? Oh, je vais poser des pièges à charançons. Parce que si vous ne luttez pas contre les charançons, vous risquez de perdre 40 à 100% de votre récolte. Wow. Ah, ça peut être très grave ça. Oui, oui, oui. C'est très grave. Merci. Bon courage à vous. Bon courage. Heureusement, on peut se passer des insecticides pour lutter contre les charançons. Et utiliser des méthodes agroécologiques très peu coûteuses.